Lorsque l'on anime une formation professionnelle, il est important à la fois de transmettre des connaissances, des compétences, mais surtout de révéler le potentiel des stagiaires. Et pour ça, il y a un point qui est essentiel et sur lequel nous intervenons vraiment dans la formation de formateurs, c'est d'apprendre à nos stagiaires aussi à être autonomes. Ils doivent être autonomes non seulement dans leur apprentissage, dans leur propre pratique d'eux-mêmes, le recul qu'ils ont sur leur propre pratique, mais aussi dans ce qu'ils vont faire derrière, dans leur métier, dans leur découverte du métier et de leur pratique professionnelle après la formation. Comment on va le faire par exemple? Eh bien, on va leur faire faire des exercices en petits groupes et avec le feedback d'un autre groupe. Ce n'est pas le formateur qui va tout transmettre lors d'une formation, c'est vraiment un travail de faire émerger les idées, les regards des uns sur les autres, favoriser l'autonomisation pendant et ensuite favoriser l'autonomisation après la formation, c'est essentiel.